Je m'appelle Astrid et je suis agent d'accueil dans un garage. Mon métier consiste à accueillir les clients pour des petits ou des gros travaux. J'accueille aussi parfois des dépanneurs, des commerciaux. En plus de ça, je réalise des devis et des factures et j'encaisse les clients. La première qualité exigée, c'est d'être souriant parce qu'on est l'image de l'entreprise. Les autres qualités, c'est d'être patient et à l'écoute et d'avoir de l'empathie. Pour expliquer un devis ou une facture à un client, donc il faut savoir apaiser la tension et leur expliquer qu'on va trouver une solution. Il faut aussi savoir communiquer avec son équipe. J'ai commencé par un bac professionnel accueil relation client usager. J'ai travaillé dans un food truck, mais ces activités ne me correspondaient pas. J'ai cherché donc un nouvel emploi. J'ai vu cette annonce pour être agent d'accueil dans le garage. J'ai donc postulé et je suis ici depuis un an et demi. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est que j'en apprends tous les jours. La mécanique était un domaine que je ne connaissais pas. Et je vais même bientôt apprendre à faire une vidange. Ça me permet d'être plus autonome dans mon travail, de pouvoir répondre aux questions des clients sans aide du chef d'atelier et aussi d'être plus à l'aise en face des clients et au téléphone. Les évolutions de poste possibles en reprenant des études, c'est d'être responsable d'accueil, comptable ou secrétaire. Prochainement, je vais reprendre un BTS gestion petite et moyenne entreprise afin de compléter mes compétences et d'évoluer vers un nouveau poste. Je m'appelle Astrid et mon métier, c'est agent d'accueil.